Rossen, bonsoir. Nous sommes ici donc pour parler du spectacle avec cette question, faut-il réinventer le spectacle ? Comment réinventer le spectacle ? Alors je vais commencer peut-être par vous énerver un peu parce que je sais que vous détestez les flatteries, les décorations, les titres et tout ce qui va avec. Pas du tout. Ah. Ça dépend. Si c'est vous qui me la remettez, tout de suite, d'accord. Bon, on peut quand même dire que vous êtes un homme exceptionnel à plus d'un titre, acteur, metteur en scène, de théâtre, de cinéma. Alors, je ne vais pas retracer votre carrière, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup ici, à mon avis, qui ne la connaissent pas. Juste rappeler qu'en dehors des grands spectacles qui font votre célébrité, ou en tout cas qui font couler beaucoup d'encre depuis quelques années, vous avez été aussi pendant 10 ans à la tête du théâtre de Reims. Vous avez donc un regard, on peut dire, assez complet sur le théâtre et sur le spectacle. Vous avez aujourd'hui 75 ans. Non, pas encore. Pas encore, pardonnez-moi. Pas loin. Pas loin du tout, non. À votre âge, qu'est-ce que vous n'avez pas inventé? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Non, ce n'est pas tellement le problème. J'ai le droit de parler. Ah ben, vous êtes ici pour ça. Je voulais simplement vous faire une proposition malhonnête. Moi, si je commence à raconter ou ma vie ou mes conceptions par rapport au théâtre, qui sont étroitement mêlées à celles que j'ai de la vie, je préférerais, si vous êtes tous d'accord, et ça me rassurerait un peu, pour ne pas m'écouter parler, c'est de procéder plutôt par des questions que vous pourriez poser. Comme j'ai fait pas mal d'animations pendant des années, surtout lorsque je me suis occupé du théâtre subventionné, du théâtre populaire à Reims, je voulais simplement vous dire qu'à partir d'une question, j'essaie de répondre. Et ça peut peut-être intéresser et inciter quelqu'un à en poser une autre. Je sais que la première est toujours très longue à venir. Mais peu à peu, on établit un espèce de dialogue. Parce que moi, je suis un peu frustré. Je ne vous connais pas. Je vous vois. Je suis très touché que vous soyez présent. Alors que je voudrais que vous en ayez pour votre pognon, quand même, dans ce sens. Que j'aimerais ne pas raconter, m'étaler dans Rossen, des trucs. C'est prévu. C'est prévu, on a une heure pour ça. Mais avant, est-ce que vous voulez bien que moi, je vous pose quand même quelques questions pour commencer? Ah oui, oui, tout ce que vous voulez. Non, parce qu'on a une soirée, nous, ce soir. Oui, oui, oui. On joue quand même. On va être dans les temps, vous inquiétez pas. Non, oui. Donc, si on pose cette question, faut-il réinventer le spectacle? Vous ne trouvez pas que c'est une question un peu triste, que ça voudrait dire qu'on ne réinvente rien depuis quelques années? Non, mais je crois qu'en ce moment, le Parti Socialiste est très préoccupé pour réinventer quelque chose. Alors, si je commence à dire maintenant qu'il faut réinventer, je crois qu'il n'y a pas... Il faut fuir cette histoire qui a un jour déclaré qu'il y avait... Le théâtre, c'était ça, ça ou ça. Ça ne veut strictement rien dire. Le théâtre, ça peut être un théâtre engagé. Un théâtre d'essai, un théâtre de laboratoire, un théâtre politique, un théâtre populaire, un théâtre simplement de distraction. C'est la synthèse de toutes ces formes dont on peut dégager, si on fait une étude, etc., approfondie, sur le théâtre. Parce que j'ai connu pendant des années, ce qu'on appelle le répertoire, et j'ai vécu sous des théâtres subventionnés pendant 10 ans, ensuite et avant, peut-être aussi le théâtre privé. Bon, j'ai fait beaucoup de cinéma et à un moment donné, j'ai pris une brosse à dents. Je l'ai prise bien avant que je sois en chute libre, c'est-à-dire au moment où je peux dire que, dérisoirement, j'étais ce qu'on appelle au sommet. Et je me suis réveillé un moment, je me suis dit ma liberté n'est pas la bonne. Dangereuse, j'ai répété un peu Camus et tout ça. Par instinct de conservation, j'ai appelé ceux qui travaillaient avec moi, je leur ai refilé pratiquement tout ce que j'avais. Je suis parti avec une brosse à dents ou 2 bouquins et je me suis tiré à Reims où il y avait une opportunité pour faire du théâtre populaire. Alors je me suis retrouvé évidemment en abandonnant les privilèges immédiats, moi qui passais ma vie à faire le tour du monde et à tourner. Et puis j'ai commencé donc à essayer d'organiser une école pour les jeunes, gratuite, à 400 balles, c'était en 70, pour loger, nourrir, enseigner. Et immédiatement j'ai découvert qu'il fallait... Moi qui avais péniblement fait mon certificat d'études primaires et encore sûrement pistonné, je m'en vante pas du tout, au contraire, je suis un peu triste parce que j'aurais pu apprendre beaucoup de choses. Quoi. J'ai fait mes universités dans la rue, alors pour essayer de me justifier, je dis comme Gorky, bon d'accord. Et puis, donc j'ai fait ça, une école avec des jeunes, d'où est sorti beaucoup de jeunes, dont Mademoiselle Adjani, ont participé, dont M. Weber, Huster, enfin beaucoup de jeunes, Balmer, tout ça, etc. Et qui ont fait partie de la troupe, qui ont joué à Reims.
Et on était logés, nourris, enseignés. Et dès que je faisais appel à l'école, car je ne crois pas du tout à la théorie sans la pratique, c'est pour ça qu'il y a énormément de cours en France qui ne servent strictement à rien, qui a débouché sur 90% de chômeurs, étant donné qu'il est impossible, par exemple, dans un théâtre de 1000 places, celui que j'ai à Marigny, de tout à coup enseigner quoi que ce soit et dire quoi que ce soit. Lorsqu'un élève monte sur scène, il bafouille, on atteint au deuxième rang, on ne le comprend pas, parce que les salles dans lesquelles on travaille font, je ne sais pas, 6 mètres de profondeur, 8 mètres à la rigueur, et ce qui fait qu'on n'entend strictement personne, avec un professeur pour 100 élèves ou 200, ce qui est hallucinant. Donc, si vous voulez, je suis absolument contre tout. Je pense que l'enseignement devrait être totalement gratuit, faire bénéficier de bourses, et en tout cas, faire que les gens qui sont enseignés, les jeunes, le soient par des véritables professeurs, des psychologues, vraiment des pédagogues, et ensuite qu'ils puissent immédiatement jouer et se mêler, se frotter aux acteurs professionnels pour évidemment faire des petits rôles, des moins grands, etc., et devenir les acteurs de demain. Voilà. Vous investissez, vous, à fond perdu, d'ailleurs, sur des spectacles comme ça de jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire, à fond perdu ? Sans avoir de soucis de rentabilité, parallèlement à vos pièces que vous montez. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des mécènes ou des producteurs qui m'ont souvent tenu ce discours. D'ailleurs, la première chose que j'ai obtenue, et je leur en serai toute ma vie reconnaissant, c'est d'avoir un sigle. Le sigle que je travaille avec moi à Reims, c'est un loup. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez, c'est-à-dire symbole de liberté, symbole aussi d'être en bande, symbole aussi d'être quelquefois traqué. Et j'ai eu la chance de trouver des gens qui me donnent les moyens et ne me demandent pas de gagner de l'argent. On me demande de tenter de ne pas en perdre. C'est aussi difficile d'ailleurs. François Pinault, qui est derrière vous depuis des années. Oui, et c'est, ça s'est fait. Mais il en faut des hommes comme ça, parce que des spectacles qui valent autour de 10 millions. Pourquoi vous dites qu'il en faut ? Il ne faudrait que des hommes comme ça. 10 millions d'euros par spectacle, il faut quand même. Ça ne veut rien dire ce que vous dites. J'ai joué huis clos de Sartre, on était trois. Parallèlement. Non, avec le même théâtre, et on a joué ça à travers partout, avec trois divans et deux jeunes comédiens. Je veux dire que ce n'est pas systématique de monter des trucs à 1000 ou à 100. D'ailleurs, je répète huis clos, je mets autant de temps que de répéter Bonaparte, que nous jouons, que vous avez vu hier, oui. Vous soupçonnez. Hein, ouais, d'accord. Et alors, tout ça, ce n'est pas pour parler de moi, j'ai fait, je n'ai pas fait, on s'en tape. Ce qui est important de savoir, quelle forme d'enseignement demain, de quelle manière va se développer le théâtre, ce qu'on appelle populaire. Qu'est-ce que vous appelez le théâtre privé populaire, justement ? Écoutez, je ne sais pas. Moi, ce qui s'adresse à tous en essayant de ne pas se situer systématiquement au-dessous du niveau de la ceinture. Moi, je ne suis pas moraliste. Je n'ai pas de message, je n'ai pas de mission, j'en emmerde personne. Mais tout de même, il y a une certaine ambition que j'ai en ce qui concerne ma conscience et en ce qui concerne surtout les jeunes à qui j'essaie d'inculquer l'amour de ce métier. Et j'ai comme ça des slogans tout faits. Je dis par exemple qu'il faut. Le génie, c'est 18 heures de travail par jour. Le talent, c'est d'en trouver aux autres. Donc je m'entoure de gens de talent. Et si je devais m'adresser à des tout jeunes, qui aspirent à mon métier, je leur dirais, faites gaffe les gars, il y a ceux qui en veulent, il y a ceux qui en vivent. Et ouais, c'est différent. Et je dis simplement que, alors vous m'obligez à parler d'autre chose, je trouve que nous vivons dans un monde de gestionnaires, sans visionnaires, qui sont pour moi synonymes d'espoir, et je trouve qu'il faut essayer d'améliorer la condition humaine dans un univers, dans un monde où l'humanité meurt d'un manque de considération totale. Et le théâtre a pour mission de choisir des philosophes, des auteurs, des écrivains, des auteurs dramatiques qui peuvent tout à coup inciter, inspirer aux autres leur devenir. Parce que, je me permets, je ferme ma gueule après, les trois quarts de l'humanité, pour moi, vit mal d'un métier qu'elle n'a jamais choisi. Alors, lorsque je vois ça, ma notion est faite, car je vais être bientôt un vieillard, il n'existe pas pour moi de premier. Réussite sociale, ça ne signifie pas toujours grand-chose. C'est vivre dignement d'un métier qu'on a choisi sans être ni des chômeurs ni des stars. À partir de ce moment-là, on peut commencer à discuter. Voilà ce que je pense profondément. Merci. Je suis honnête avec vous, il m'a fallu quand même quelques années. Parce que le loup, à l'époque, il avait des dents, j'en ai perdu depuis un peu. Mais au passage, mais voilà.
Alors, maintenant, je vous laisse faire ma gueule, j'y vous ai... Non, mais ça va, ça va dans la suite. De Gaulle, Un homme nommé Jésus, ouais. Ces grands spectacles ouais. qui, depuis 75, c'est ça ? À peu près ? Le premier, c'est Oui, je suis resté de 70 à... Non, je suis resté quand même 8 ans à Reims. 8 ans. Jour et nuit, non. Il y en a une quinzaine de grands spectacles. Vous en avez monté une quinzaine, à peu près, des grands spectacles de ce style. Oui, je ne les comptais pas. C'est une exception dans le paysage théâtral. Vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est les spectacles de Robert Hossein, on les reconnaît entre mille. Qu'est-ce que vous voulez... Avec ce qu'il y a de terrifiant et de ce qu'il y a de correct. Qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers ces grands spectacles ? Humanisme, c'est-à-dire de raconter des auteurs, Dosto, Steinbeck, Hemingway, Lorca, Gorky, Hugo, Shakespeare. C'est à cela que je me suis beaucoup plus consacré qu'à des auteurs que j'admire, qui sont Sanders, Spinter, beaucoup d'autres même contemporains. Mais lorsque je suis arrivé dans ce lieu, qui était la maison André Malraux, de culture André Malraux, je me suis aperçu qu'il y avait une demande, une soif de connaissance, et donc j'ai choisi des œuvres humanistes, des auteurs humanistes, et des œuvres... Ensuite, je me permets de le dire, parce que ça a l'air con et prétentieux, mais je m'en fous, je ne suis pas prétentieux. Je revendique d'avoir inventé la participation du public dans mes spectacles. C'est-à-dire que je trouve que c'est impossible dans l'avenir de continuer systématiquement sur des thèmes qui nous concernent, qui sont l'incommunicabilité, la liberté, la conscience, la peine de mort, la misère, la peine de mort, évidemment. On ne peut pas continuer à simplement, devant une assemblée, de dire voilà, non, il faut que les gens puissent participer, voter, s'exprimer. Et si Dieu me permet un jour d'avoir les moyens de développer des technologies complètement révolutionnaires, on est en train d'en faire déjà avec Bonaparte, qui sont assez sévères, et je veux dire, où les gens se passent au milieu des gens, c'est-à-dire où ils peuvent absolument s'exprimer. C'est une manière d'être plus populaire ou de réinventer justement un spectacle pour apporter tout simplement quelque chose de nouveau. On n'est pas populaire ou pas populaire. En tout cas, jamais pour faire plaisir à qui que ce soit. Simplement à votre conscience, simplement proposer quelque chose et les gens sont là. Et je suis persuadé que dans le public, les gens ont envie de s'exprimer de plus en plus. Ils ont avoir le sentiment d'exister, nous échappe lorsqu'on a l'impression de ne pouvoir vivre pour ce que nous aimons. C'est notre seule raison d'être. C'est d'essayer de justifier ce hasard qui est la vie, bien que moi je crois en Dieu, donc c'est une autre affaire, mais ce hasard, et j'emmerde personne avec, mais je veux dire, ce hasard, il faut absolument... Moi, quand je vois un jeune et qui me dit j'ai envie de faire ce métier, je lui dis, hop, il faut l'encourager immédiatement. Et je sais que c'est un métier difficile, il y a marqué, vous qui entrez ici, quittez toute espérance, mais si vous aimez les choses, c'est le seul moyen d'avoir le sentiment d'exister, c'est de pouvoir... vivre un jour dignement de ce qu'on a choisi d'être, grâce à la connaissance. Or, mes enfants, les premiers, j'ai vu où ça a amené les diplômes et autres plaisanteries, nulle part. Et ce n'est pas systématique de dire qu'il faut faire des universités dans la rue, non. Mais vous me parlez de théâtre, alors on ne va pas s'éloigner. Je veux bien rester dans le théâtre et vous parler de Michel Mercier, aussi de Brigitte Bardot, de tout ce que vous voudrez. Mais je veux que vous sachiez que je pense que plus ça va aller... Plus il va falloir, les jeunes, il y a une chose terriblement angoissante. Les jeunes n'existent à leur naissance, à leur adolescence, que par le rêve, qui déclenche des ambitions. Mais l'ambition, c'est pas malhonnête. L'ambition, c'est des aspirations, avoir le sentiment de faire partie d'une société. Mon père, un jour, m'a dit une chose prodigieuse. Il m'a dit, il était un très grand compositeur de musique. On vivait rue de Vaugirard, là à côté, pendant des années, rue Monsieur le Prince, sous l'occupation, avant, après, et on vivait bien dans un taudis. On allait pisser au second étage et on prenait l'eau sur le palier. Et mon père passait ses journées, entre deux symphonies qu'il composait, à aller chercher du pognon et à taper les uns et les autres pour pouvoir acheter des yaourts pour me nourrir. Et ça l'occupait tellement qu'il ne se rendait même pas compte de cette détresse hallucinante, bien qu'il ait Beethoven sur son mur, et ça. Et puis, un jour, il a commencé à exister plus. Et il m'a dit cette chose terrible,
lorsqu'on n'a plus faim, il y a quelque chose de plus grave, c'est d'avoir l'impression de ne servir à rien, de ne pas pouvoir s'insérer. Par exemple, si ma symphonie n'est pas jouée, je suis complètement désespéré parce que je ne peux pas m'insérer dans une société. On n'est pas nécessaire. On n'est pas nécessaire, mais on est utile. On peut être utile à quelque chose. C'est très important. Alors, le temps de la mégalo passé, maintenant je suis un vieux con, donc j'ai comme moment des marquises, hein, etc., etc. Et maintenant je suis tout à fait guéri parce que quand une jeune fille s'approche de moi en me disant un autographe pour ma grand-mère qui vous a tellement aimé dans la marquise, bon d'accord. Je me croyais un aigle, je ne suis même plus un corbeau. Comme ça, les choses sont claires. Merci, merci Robert Hossein d'avoir répondu. Non, pas encore. Moi, je ne vous torturerai plus. Maintenant, il va falloir répondre aux questions du public. Merci d'avoir été avec nous pour la première partie de ce débat. Merci de rester avec nous sur e-télévision pour le reste de l'information. Merci. Merci. Nous allons poursuivre, donc, comme prévu maintenant, avec les questions du public. Vous deviez m'en poser. Ah, mais je vous en ai posé certaines, mais vous êtes très bavard. Je vous ai empêché, je suis trop bavard. Bon, on recommence. Hein. Alors, on reprend. Quelles sont les questions? Il y a des étudiants ici présents au premier rang qui ont préparé des questions pour vous. Donc, nous allons dialoguer. C'était votre souhait. Et nous allons commencer Attendez. Par un premier volontaire. Faut qu'on soit honnête. Et honnête, moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas où vous êtes né, dans quel milieu, quelles sont vos aspirations, quelles études vous avez faites, à quoi vous rêvez, vos déceptions. Et c'est vachement important pour poser des questions. Vous êtes... Je vais vous poser quelques questions à mon tour. Alors, savoir, moi, d'où vous êtes, qui vous êtes. Bonsoir, monsieur Hossein. Bonjour. Julie Dulos de l'INSEC. Donc, je voulais savoir si vous pensiez... De quoi ? De l'INSEC. Expliquez-moi, alors. Donc, c'est l'Institut National des Hautes Études Économiques et Commerciales. Eh bien, comment voulez-vous que je devine avec ces trois lettres ? Je vous ai dit que je n'ai même pas mon certificat d'études, alors, primaire. CEP, voilà. Voilà, donc, je voulais savoir si vous pensiez qu'à travers vos spectacles, vous arriviez à créer un contact sans limite avec les spectateurs. Mon amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que veut dire sans limite ? Je vais vous donner un exemple. On a joué cet après-midi Bonaparte. On va le jouer ce soir, demain en matinée. Et mardi et mercredi, je vous donne ma parole d'honneur que les réactions et le public n'est jamais le même. Il est fait de toutes les couches de la société, jeunes, moins jeunes, et ça dépend des jours. Et ça dépend de leur réaction épidermique par rapport à une affaire justement comme Bonaparte, sur le plan social, politique, économique, religieux, puisque nous racontons tout, campagne des Gilles, 18 Brumaire, Maringo, Arcole, militaire, politique, affrontement, ce fameux 18 Brumaire ahurissant et tout ça, si vous voulez, les gens réagissent différemment. Donc, j'écoute la question que vous voulez me poser, c'est de me dire, est-ce que les gens réagissent? Je suis incapable, je ne suis pas... Et heureusement, ils ont tous une personnalité, tous une conception. Dans le temps, quand j'étais à Reims, quand un spectacle était terminé, on faisait des animations immédiates. C'est-à-dire qu'à froid, à chaud plutôt, on venait s'approcher, on demandait au public avec des comédiens, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce qui vous gêne. Et là, on commençait des conversations qui duraient jusqu'à 3h du mat. C'était assez passionnant, et surtout avec les jeunes de l'université. Aujourd'hui... C'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas un théâtre subventionné. Non, mais avec l'interactivité, justement, que c'est votre obsession. Interactivité, vous dites, mon obsession. Vous dites carrément, c'est une névrose. Donc, le spectacle total que vous voulez créer, où le spectateur voudrait être un acteur, c'est quand même, vous abolissez toutes les limites qui sont les limites traditionnelles, enfin, la distance traditionnelle du théâtre entre une scène et un public. Oui, mais alors, écoutez, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai beaucoup de détracteurs aussi. Si j'ai des admirateurs. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai fini de monter Bonaparte à 2000, je cours vite dans mon petit théâtre, petit Marigny, il y a le grand, mais je parle du petit là, au petit Marigny, écouter Love Letters. Deux acteurs. Par exemple,
Marie-France Pizier qui joue Simone de Beauvoir maintenant. Ils sont deux. Alors là, je me passionne, c'est de la musique de chambre, c'est le texte, c'est la beauté du texte, c'est des découvertes sublimes, merveilleuses, des acteurs comme des violoncelles. C'est un grand plaisir. Et j'estime qu'il n'y a absolument aucune différence. On peut être beaucoup plus touché, beaucoup plus ému, beaucoup plus concerné par un spectacle où il y a deux acteurs qui disent un texte admirable que par moi qui fuis le bruit, la fureur, la dingue, la folie. J'ai dédié mon Bonaparte à Belgance, alors vous dire où ça va, vraiment, etc. Complètement dingue. Et je ne fais pas de différence entre un spectacle monté par un metteur. Ce qui est intéressant, si c'est abouti, le sens qu'on veut lui donner, et je ne critique jamais une erreur ou un type qui s'est fourvoyé, parce que c'est un boulot tellement intense que tout le monde a droit de se gourer. Ça m'est arrivé souvent, et c'est sûrement avec les erreurs, et on a beaucoup plus d'échecs en réalité que de succès, et ça vous apprend toujours quelque chose. Je ne veux pas commencer à attaquer le problème de la critique même, parce que là, ça devient, on tombe dans l'ahurissement le plus extraordinaire, aujourd'hui, en 2002, mais il est très, très important que les gens vivent selon eux-mêmes, fassent leur choix selon leur sensibilité, selon leur éducation. Et je suis incapable, et je me refuse à vous dire que le spectateur est stéréotypé. Ça n'existe pas. Vous avez des gens qui peuvent être enthousiastes et des gens très déçus côte à côte. Donc, là-dessus, ça dépend de tellement de critères que je ne veux pas me lancer dans cela. J'ai essayé de répondre, mais il faut qu'on se prenne rendez-vous ensemble. Une deuxième jeune fille, vous allez être content. Oui. Je vous en prie. Bonsoir, m'appelle Bérangère Fantin, donc je suis également de l'INSEC. Et moi, je voulais vous poser une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé que vous faisiez des spectacles humanistes. Et vous avez également parlé de grands auteurs que nous connaissons tous, donc Hugo, Dostoïevski et tout ça. Et donc moi, je voulais vous poser la question. En fait, le théâtre, au départ, c'est un genre littéraire. Et en fait, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait en train plutôt de devenir purement un art du spectacle ? Pour être tout à fait honnête avec vous, les choses ont évolué. Pas chez les types complètement intègres, qui n'ont jamais voulu exploiter le spectacle à des fins systématiquement et uniquement commercial. Mais il est évident qu'il y a une espèce d'envahissement prodigieux, je ne sais pas si vous l'avez tous remarqué, de comédie musicale. C'est une plaisanterie qui ne durera pas. Ce n'est pas du tout pour me jeter des fleurs, parce que je serai le dernier des sots. Nous avons, ne confondez jamais spectacles musicaux et comédies musicales, qui nous viennent d'ailleurs, les rares. J'en ai monté une, j'en ai pas monté beaucoup, qui fait le tour du monde depuis des années, des années, des années. Je rassure tout le monde, je ne touche plus à rien depuis très longtemps, puisque je n'étais ni l'auteur de la musique, ni l'auteur des paroles. Schoenberg Boublil, c'est Les Misérables. Et ces Misérables, nous l'avons créé mondialement, pas en Amérique, pas en Angleterre, ici, devant 500 000 spectateurs, à un spectacle auquel personne ne croyait, car Victor Hugo disait « pas de musique dans mes vers ». Eh bien oui, ils sont assez musicaux eux-mêmes. Bon. Alors, je dis simplement que le grand danger, c'est de vulgariser absolument toutes les formes de spectacle. Si vous voulez voir des choses intéressantes, où il n'y a aucune compromission, je vous jure que Paris en est couvert. Il y a plein de petits théâtres, et courageux, et des compagnies, et un peu subventionné, et peu subventionné, ou plus grand, ou même des théâtres nationaux où il y a des tentatives très étonnantes, très extraordinaires. Et je peux déplorer que dans le théâtre subventionné, on fait maintenant moins, à mon sens, d'ambition, d'effort, que dans des théâtres privés qui prennent véritablement des risques. C'est pas encore pour parler dans mon moulin, parce que j'ai l'air d'un ça, mais par exemple, Malkovich mettant en scène Freud, Hysteria à Marigny, c'est drôlement, d'abord c'est pas facile, mais c'est drôlement intéressant, psychanalyse, etc., Freud et tout, et c'est pas d'une approche facile. Mais vous avez raison, il faut que vous expliquiez. Pour exister dans ce métier, qui n'est pas là, je parle de la télévision, du cinéma, et même le cinéma, vous payez 50 balles pour aller voir un film, pour aller voir une pièce de théâtre, et ce qui est terriblement atroce, en dehors des collectivités, en dehors des étudiants,
Bah, vous vous tapez quand même 10 euros, 15 euros. Et on monte des fois jusqu'à... je veux dire, qu'est-ce que je mens? Qu'est-ce que je raconte? On va parler en francs, les euros, je suis complètement paumé. 10 sacs, 100 balles. 200 francs. 250, 300 francs. Jusqu'à 350 francs dans le théâtre. Et pas parce qu'il y a 1000 personnes. Il y a des spectacles à deux avec des vedettes, on paye très cher. Et il y a aussi des spectacles où il faut payer les machinaux. Et heureusement d'ailleurs, les électriciens, les techniciens, les comédiens, les figurants, les costumes, les décors. Et à cause de cela, étant donné que ça n'a pas une répercussion mondiale systématique, il y a les tournées et tout, vous devez faire des prix de place difficilement abordables pour tous les jeunes et pour tous les publics. Et là-dessus, je lutte à mort. Huit clos. Vous, à Marigny, vous avez voulu mettre en place une politique des prix qui serait proportionnelle au prix qu'a coûté le spectacle. Non. 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 Je peux pas. Là, j'ai tout le syndicat. Je me targue de rien. Je suis vaguement vice-président des directeurs de théâtre, et je peux vous dire que c'est impossible. Là, il y aurait tout à coup une espèce de hurlement. Les théâtres subventionnés reçoivent du pognon pour monter des spectacles pour tous et à des prix totalement abordables. Nous, les théâtres privés, nous sommes couverts de charges. Mais comme j'ai fait 10 ans de subventionné, je connais les avantages et les inconvénients des subventionnés. Et je connais aussi les avantages et les inconvénients des théâtres privés. Donc, si vous voulez, hélas, c'est affreux à dire, s'il n'y a pas de rentabilité, il y a des vedettes dans votre affaire. Non, mais alors, vous voulez monter ça. Est-ce qu'il y a des vedettes? On ne lit même plus la pièce. Ah, il y a des vedettes. Ah, bon, il y a des stars. Ah, ben, ça va. Parce qu'il n'y en a pas, il y a des inconnus, la pièce est nouvelle. Ah non, non, pas dans un théâtre de 1000 places, s'il vous plaît. On peut essayer dans un théâtre d'avant-garde, dans un petit théâtre, on peut prendre des risques. Là, pas du tout. Et c'est tragique à dire, le théâtre se meurt d'un manque de moyens, car les théâtres privés reçoivent des aides, des encouragements, des fonds de soutien, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, si tu as un four, tu as droit à temps, à 30% du montage, ou si tu as une pièce nouvelle, tu es encouragé aussi. Mais ce sont des subventions à la pièce. Alors que dans les subventionnés, tu touches un paquet pour toute l'année, c'est-à-dire quoi que tu montes. Il y a par exemple des gens qui ont un cahier des charges. Alors voilà. Si vous voulez toucher toute votre subvention, vous devez monter 4 spectacles. Alors j'en connais qui montent 4 spectacles à 2 personnes, c'est peinard. Ils peuvent vivre très très bien. Il y en a d'autres qui prennent des risques et qui perdent de l'argent. Aux affaires culturelles, on n'aime pas qu'on perde de l'argent, on aime qu'on équilibre. On appelle ça toujours l'équilibre. Et comme on raconte des salades, étant donné qu'avant même d'avoir monté le spectacle et de connaître son destin, on annonce qu'on a fait l'équilibre entre les recettes et le coût. Or, tout ça, c'est prévisionnel. Et la vérité est tout autre. Des fois, on a une très bonne surprise, rarement, et des fois, on a des déficits terribles. Et il faut les combler. Alors que dans un théâtre privé, vous trouvez des coproducteurs, des financiers ou des mécènes qui aident ou se participent à 5, 6, 8, 10 à l'avenir d'un spectacle. C'est moins dangereux si on se met à plusieurs. Ou alors vous rencontrez des gens comme moi j'ai rencontré, comme par exemple M. Pinault, comme M. Lagardère qui l'a fait pendant des années, comme il y en a beaucoup d'autres, etc., qui participent à des spectacles en prenant tous les risques. Parce que ça marche pas, ça marche, etc. Moi-même, j'avais une compagnie. La compagnie, je tentais d'aider les jeunes compagnies et je n'utilisais pas beaucoup ma subvention pour moi. Et il faudrait qu'on puisse passer des jours et des heures et surtout voir, être sur les lieux et voir comment les choses se développent. J'essaye de répondre à votre question. Il est évident que même si les financiers laissent planer, il n'y a pas systématiquement des politiques qui sont douteux, il n'y a pas systématiquement non plus des gens qui veulent gagner de l'argent au théâtre. D'abord, il faut tenter. On peut essayer de tenter avec la télé, je ne sais pas, au cinéma, mais au théâtre, vous qui entrez ici, quittez tout. C'est comme pareil, difficile de dire, je vais faire du théâtre pour gagner du pognon. Ou alors, c'est à partir d'un certain théâtre où on cherche la facilité, on trouve ça de vedette et on joue des vaudevilles, mais je ne critique pas. Vous réinvestissez à chaque fois tout ce qui est gagné sur un spectacle, sur le spectacle suivant? Ah, c'est systématique. D'abord, je vais vous dire une chose.